Eh bien le bonjour chers amis du voyageur, ici Chris, on se retrouve de nouveau sur Star Citizen les amis. Alors, toujours à HRL2. Aujourd'hui, on va aller s'enrichir un peu peut-être. Alors je vais pas prendre mon C2. Je prends mon freelancer. Je veux juste voir un truc justement en plus. 4. Je veux voir s'ils ont rectifié le truc ou pas. Parce qu'hier il était abîmé, tu es abîmé, j'ai jamais vu ça. Alors qu'il a rien, hein, niveau. C'est juste esthétiquement qu'il a abîmé. Hein, c'est toujours pareil. Regardez-moi ça. Alors que je sais pas comment ça se fait. Montrer hein, tant qu'on est là. Aussi la 320.1 ou je sais pas quoi là. Si vous faites pas la petite manip là, vous voyez, j'ai l'état de mes propulseurs et je les rallume, bah vous décollez pas. Tout simplement. Alors, niveau. Fortune, je suis à 2 700 000. Je vais pas prendre. On va faire l'émission Salvage, vous savez. J'ai tout ce qu'il faut sur moi. Mais on va pas prendre des CDE, des trucs comme ça, nous. Hein. On va prendre. On va se limiter. Plus petit. C'est pour ça que j'ai pris le freelancer. Hein. Sinon, j'aurais pris le CDE, bien sûr. Que j'aurais peut-être dû le prendre pour voir la gueule qu'il avait. Quand je vois le max. Est-ce qu'on a la même vue à l'extérieur? Ah ouais. Ah, c'est affreux, hein. C'est presque mal au cœur de voir son vaisseau comme ça. Vous le dites, moi. Allez. Allons-y. Voir ce qu'on va trouver. Je vous expliquerai après comment que faut faire. Hein. Je sais que ça peut-être pas. Je me méfie parce que hier j'ai explosé et comme un mur invisible. Donc maintenant on se méfie. Hein. Alors. Regarde l'émission. Salvage. Il y a du A2 hein, en... C'est à 50 000. Ouais. Alors on va aller dans le personnel. Il y en a. Est-ce qu'il faut.
Atlas. Ah ouais. On va prendre le 1-2, tant pis. 30 000. C'est pas trop prendre le 1-2 parce que en fait, y a pas vraiment toujours tout. Mais il est très près. Voilà, il est à Ita, hein. Vous voyez que ça m'a fait le chemin directement. Donc on a 4 tours à faire, hein. Vous voyez. Normalement ça doit le faire, hein. Pas d'obstruction, on est parti. Alors, pour ces missions de Salvage, hein, donc j'ai dû faire avec mon Vulture une mission de Salvage à 1000 et une à 20 000. Voilà, pour tout et pour tout. Et ça m'a débloqué les personnels. Celle qu'on va faire là maintenant, ça c'est une A2. J'aurais pas fait un C2. Ça m'aurait fait mal au cœur. Enfin, vous me direz, je peux y retourner, hein, mais bon. J'ai un cooldown. C'est vrai que. Il aurait fallu que je. Et les arrêts, hein, sur l'image, hein. Franchement j'ai jamais vu ah si, j'avais comme la 318 qui était bien buggée chez moi, mais alors là c'est vraiment franchement il y a un temps, hein. Alors, surtout faites attention à ça, hein. Parce que vous voyez, on a dit. Bon là, on est tout près normalement. Hein. Il est où? Il est là. C'est moi, il a disparu. Doucement. Il y a quelques astéroïdes, hein, les amis. On va même essayer de le scanner, comme ça on va savoir ce qu'il y a dedans. Chaque fois j'oublie, hein. Je me le répète. Je pense que je pourrais même déjà le scanner. L'aranite copper néon 33 essais de néon, 1 essai de slam, 4 essais de. Bah, on va prendre le platinium, le slam,
Et le néon, hein. Ah oui, hein. L'aranite aussi, on va la prendre, allez. Let's go. On s'en approche. Pas dedans. Que ma caméra arrière, c'est pas évident. Je me tourne pas dans le bon sens. Donc, il faut que je monte plutôt. Voilà, on va arrêter de bouger. Et on y va. Chercher notre matos, hein. Donc on a 23 minutes encore. Bon, c'est easy, hein. Ah, mais il y a encore des caisses là. C'est quoi ça? Il faut que je la vire de là, hein. Sinon elle va prendre la place. Mais c'est du néon. Ah, j'en avais encore. Ok. Bizarre, il m'a semblé tout le monde en avoir tout vendu quoi. Voilà, ça on est pas trop près. Si vous mettez trop près, ça vous servira à que dalle. Tergiverser, on va prendre la prochaine fois, je prononcerai deux de toute façon quand même. Je pense que ça c'est l'émission. Il vaut mieux prendre à la touche R, je vais le bouger. Regardez. C'est pour ça qu'il vaut mieux espacer. Parce que ça peut être dangereux là. Vous pouvez exploser votre vaisseau. Voilà. On s'en fout, hein. En fait. C'est juste. De faire quelque chose, hein.
Ah, ça c'est neuf. Ok. Faut faire du rangement, les amis. C'est une 32. C'est quoi, j'ai vu l'ombre. Ouais, c'est moi qui fais les ombres. C'est bizarre les ombres là. Hein. J'ai entendu un message, mais je sais pas d'où ça vient. Ça me paraît même impossible. Let's go. Il va falloir aller voir tout ça après. Hein. Ouais, c'est cool maintenant hein, qu'on voit ce qui est marqué.
Marguerite. Je sais pas si elle va la prendre. Si elle va tout prendre. Peur. Un petit truc, c'est comme ça. Voilà. Pour l'instant ne stacke que dalle. Quand des grosses maisons, là des fois je vais peut-être pas avoir le choix, sinon ne stacker rien du tout. Vous voyez, là j'aurais pu mettre, c'est du cotanium les deux là, hein. J'aurais pu mettre un sur l'autre, mais non, je vais pas le faire. Quitte à perdre de la cargaison, tant pis. Parce que vous allez arriver pour les vendre et puis vous n'arriverez pas à les vendre, ou ça va vous les vendre mais pas vous donner le pognon. Donc si c'est un conseil que je peux vous donner, c'est celui-là. Donc là on a encore au moins 3 caisses à prendre. Facile. C'est pas des grosses caisses à part la naranite. Voilà. Allez, Slam, ouais, ça vaut de la thune. C'est ce qui vaut le plus cher, quand même. De là-dedans, on t'entend sur une cargaison ou du wasp. Une cargaison entière de ça, on est bien. Alors, vous verrez que là, j'ai du légal et du illégal, hein, bien sûr. Les drogues, c'est pas légal. Hein. Mais vous voyez que j'ai un temps, hein. Donc il faut le faire avant le temps, hein, parce que sinon vous faites défoncer. Hein. Des masses, hein. C'est mais bon, ça va rapporter quand même plus que ce que j'ai payé. Je vais juste regarder un truc là-bas.
Ouais, c'en était aussi, donc. Ouais, du néon, on en a en masse. Hein. Néon, c'est une caisse. Ça, c'est une de 32. Hein. Ah non, il y en avait une autre hein, devant. Ah, c'est une de 32. Ok. Hop. Alors, on dit encore et puis c'est bon. Voyager, mais on s'en fout. Ça, on n'est pas pressé hein, dans ce jeu. Ils sont pressés. Alors, ça, c'est l'araignée, c'est ça. Ah, c'est du quartz. C'est dommage, hein. Beaucoup de quartz. Donc ici c'est à l'ancienne. Il faut, j'ai déjà rangé ça. Close. Il n'y a pas de bouton ici pour fermer sur les freelancers. Alors je sais pas si on voit des combien que c'est. Bon on s'en fout. On verra bien. Allez. On va se barrer. Alors nous on est ici, on va aller à Scénario 4 déjà. Hop. Oui, on a un OM, on va trouver pour sortir déjà de ce amas d'astéroïdes. Hein. Sinon ça peut mal finir. Hein. Let's go. Sur mon écran là ce que ça fait, ben ça le faisait pas avant ça. C'est bizarre. Et ça aussi,
En 3-19, j'avais pas ça. Ces énormes lags. On a l'impression qu'il est grindé, quoi. Qu'il a été grindé un petit peu, quoi. Après, c'est peut-être le mettre des peintures que ça déconne. Je ne sais pas. Faudra le voir en couleur origine pour voir. Et comme je l'aime pas en l'orange. Il est plus beau comme ça. Je vous laisse le voyage, vous savez pourquoi? C'est pour vous montrer que ben, sur Star Citizen, voilà quoi, c'est pas du instant. Quand vous avez 10 millions de kilomètres à faire, comme là, il y en avait 24, je crois, 20, plus de 20 millions, quoi. Voilà, ça met un certain temps, quoi. Sans aucun temps de chargement visible. Bon, parce qu'il y en a sûrement des petits, hein, quand même pas abusé. Mais ils sont cachés, quoi. Bon, on va pas comparer à d'autres jeux, hein. Parce que c'est pas comparable. Je suis pas développeur, je m'y connais pas beaucoup en développement ni quoi que ce soit, mais je peux vous dire que c'est pas comparable. Bien sûr, il est en alpha, il y a beaucoup de problèmes encore sur ce jeu, il y en aura encore des problèmes, mais ça va quoi. Là, ce que je vais faire aussi, alors je fais ma mobile glace, je vais dans les contrats, dans les accepter, et je l'abandonne. Vous voyez qu'il me l'a abandonné et qu'il me l'a mis comme objectif réussi quoi. Hein. Voilà. Donc nous on va aller ici. On aura pu faire le chemin, mais bon. Avec la map. C'est par là. On va peut-être... Ah ben il est là. C'est bon. On peut y aller. On va faire attention aux astéroïdes. Hein. Mais non, il reste 40 km. Est-ce qu'il me le propose encore? Ouais, ok. Alors là, les amis,
y a un truc, un autre truc bugué en ce moment, c'est les anneaux. Ne passez pas dedans. Vous allez, si vous passez dedans, vous allez péter, hein. Si je peux vous donner le conseil, ne passez vraiment pas dans les anneaux. On va essayer, parce que de toute façon, on va arriver à côté. Voilà. Là, je prends le contact. Please proceed to assigned landing bay. Je freine. Je freine plus parce que là, ça s'arrête pas. Ah bah c'est juste là. Ça tombe bien. Je parle de passer dans les anneaux, hein. Je parle pas de passer. Je vais passer moi là, hein. C'est pas évident, hein. Doucement, hein, avec ce jeu, hein, de toute façon. Si vous allez trop vite, ça finit sur mal, là. Voilà que là, il me dit alerte, enfin, collision, quoi. Mais bon, ça va être bon, hein. Parce que je suis un peu vite, là. Qui veut fermer la porte, mais on s'en fout. Hein. On fait plein. Et on va voir ce qu'on peut vendre. Endroit de gain, je parle. Comme ça, je vais vous montrer aussi un autre truc. Donc j'éteins le vaisseau. Ce qui est pas mal avec le freelancer maintenant, c'est que cette porte-là, personne ne va vous la... Ouais, c'est moche, hein. Vraiment moche. Allez, hop, on y va. Je vais le store, le vaisseau, quand même. Il y en a qui me diraient non, ne le store pas. Mais je le store. Alors en ce moment, attention, hein, quand vous sortez des ascenseurs. Regardez, vous allez voir ce que ça fait. Vous avez vu? Ça vient de pop, hein. Je vous dis ça parce que je suis sorti trop vite. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Hop, on va le store. Et on va en face. C'est rue L4, on est, hein. Attention, hein. Bon,
Galeria, la galerie, hein. Et hop, vous prenez tout de suite ici. Vous voyez, Looker Room, Looker. On a Looker, regardez, il y a déjà quelqu'un qui est là en train d'attendre. Hein. On pourra peut-être même pas voir. Hop, on use. On peut vendre le néon et le slam. Hein. $99,000. Eh ben on vend. On confirme. Accepte. Ouais. Je peux pas plus tout vendre. Hein. Et non. Il faut attendre un peu. C'est ce qu'il fait hein, le mec hein, en fait. Là, non, non. Ah non, il se barre. Ouais, il se barre. Bon ben. Pendant que l'attente, parce que c'est un refresh de tous les. Je ne sais plus. Là j'ai encore 22 ICU, on n'a rien vendu en fait. Hein. On va regarder, néon, ah ouais, hein, c'est 50 ICU là, hein, qui s'est vendu, et 50 de slam. J'ai 8 STU et 4 STU de Cotanium, je vais les garder. Hein. Je ne vais pas les vendre ici. Mais je suis déjà content qu'on peut vendre tous les deux ici. Je pensais pas. Parce que là, ça, ce qui me fait peur, c'est nos demandes. C'est la masse et c'est 90K l'unité la masse. Un petit peu là. Il faut pas que je me mette assis là. Allez, on va attendre un petit peu et on se reprend. Mettre là. 115 minutes. Mais bon, je vais pas vous les faire attendre à vous. Allez, à tout de suite, les amis. Alors, les amis, on va aller voir. Donc, hop. On a cru les
LR4, pardon. CRUL4, pardon. J'ai pu parler. Alors. Un cas le site slam. On va. Bon, le néon. Je sais pas si c'est plus. Il n'y a pas de demande en fait. Nous demande, oui. Ce qu'on va faire, on va aller à QL5. J'ai peur que ce soit la QL5 qu'il faut le monde. J'arrive pas à comprendre. Ah, bien sûr, hein, je pourrais regarder, les amis. Je. Mettrai le lien en description du site pour vous dire aussi qu'il faut aller vendre tous vos objets. Hein. Je vous le mettrai en lien et qui est à jour. Hein. Ah non, on peut pas. À mon avis, le néon, on peut pas le vendre ici. Je crois que le néon c'est justement c'est L5. Allez, on y va. Vous avez vu hein, ce que j'ai déjà on était plus qu'à 2,7 millions il me semble hein. Maintenant on est déjà à 2,859,000 hein. Donc les 30,000 j'ai déjà récupéré depuis longtemps hein. Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. Allez, hop. Your vehicle has been on dort un. Let's go. Voilà, il n'y a personne, hein. Sauf si un joueur est visible, mais bon. Alors, on n'y pourra rien. Juste regarder ce qu'il me reste, ouais. Ouais, bah, c'est bien ça. Le néon. J'aime pas parce qu'ils les ont mis un sur l'autre comme ça.
fermer la porte. Est-ce que j'arrive à sortir mon œuf? Je devrais arriver à sortir moi. Je sais pas, ça marche pas. Merci. Donc. Ok. J'aime pas ça là. N'est-ce pas au sol? Voilà. Ça c'est quoi? L'aranite. Bon, il y en a qu'une. Ça, je comprends pas pourquoi il me l'a transformé en fait. C'est une de combien? Enfin bref. Allez, on range ça. Let's go. On va aller à série 5. Je pense qu'on arrivera à les vendre là-bas. Alors, on met en route le vaisseau. On fait la manip, si on n'en a pas à décoller. Je peux même déjà supprimer ça. Et on va aller sur la rue L5. Ça va faire une trotte, alors je vais vous le couper. Pour l'instant, je vais demander l'ouverture. You are clear to launch. Demander qui est rentré, mais bon. Je voulais regarder un peu plus. Allez, tranquille. Non, 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 non. Fais pas la connerie. J'ai explosé comme ça. Donc maintenant on se méfie un peu plus. Hein. Pas vraiment le choix. Voilà. Vous voyez qu'on a 33 millions de kilomètres hein, à faire. Et on y va. Alors en ce moment il y a Jump Town aussi hein. Je l'avais déjà dit je crois au début de vidéo et je l'ai fait hier soir. Hein. Vous savez quoi? Bah j'étais tout seul. J'ai pas abusé hein, non plus parce que bon si à un moment il y avait quelqu'un avec un Avenger titan et moi j'ai un tout petit vaisseau hein, j'ai pas de plus de piste si j'ai plus de piste ici
parce que mon premier vaisseau, j'ai eu un bug, je suis mort d'une blessure invisible en fait. Et personne ne pouvait. J'avais des potes, mais que j'ai sur mon Discord, hein, que j'ai appelé, mais pas moyen que tu ouvres la porte du vaisseau. Donc, je me suis suicidé. Je suis revenu sur le serveur. Je suis revenu à Jumptown. Il n'y avait pas moyen d'ouvrir la porte du vaisseau. C'était bugué. Et ben, j'ai rempli un peu mon piscine et puis je suis rentré, voilà quoi. Je suis revenu en piscine. Hein. Je me suis dit, je vais prendre un vaisseau qui va assez vite. Le vaisseau était bien là. Après maintenant, il faudrait que j'aille vérifier s'il est... Parce qu'ils l'ont mis un... À un endroit... S'ils ont mis la cargaison avec, parce que moi je l'ai pas. Je sais plus maintenant. Je crois que si. Enfin, j'irai voir avant. On va donner le claim, hein, les amis. Bug de son. Entendu. Et ouais. Donc ils ont pas réglé ça non plus. Hein. J'ai l'impression même qu'ils ont rien réglé avec leur mini patch là. Qu'ils ont, qui nous a bien enlevé tout ce qu'on avait. Par contre, alors c'est juste pour faire ça. Ils auraient mieux fait de laisser comme c'était. Ah, moi, j'ai des amis, c'est terminé. Hein. Ils reviendront pas avant la 4.0. Hein. C'est clair. Hein. Si les avoir dégoûtés, les mecs qui jouaient avant moi, hein, en Star Citizen. Malheureusement, quelqu'un qui aime bien les jeux de l'espace, il n'a pas trop de choix. Il n'a pas l'air décalé, mais tout à l'heure j'ai eu un son décalé. Je suis pas rêvé.
Thank you. And please visit again. Please proceed to assigned landing bay. Landing gear down. C'est chaud là. Destination. Je sais pas, j'ai l'impression que la porte, c'est pas ouvert complètement. On voit que c'est qu'une impression, hein. Si ça me plaît, me réparer ma carrosserie. On a peut-être entendu le jeu. Parce que ça fait dégueulasse. J'ai pas acheté un vaisseau dégueulasse, moi. Tu es en train de te plaindre, les joueurs de. C'est. Sans déconner. Bon, j'espère qu'on peut vendre au moins le néon, comme ça on est débarrassé des drogues. Après le reste, j'irai le bon de moi, hein, de toute façon. Est-ce que je dois le store? Ouais. Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. Where's the one? Let's go. Please visit us again. Allez. C'est par ici. Ici mon chat de vente, je vais vous le montrer, mais il est un peu plus difficile à trouver. Alors, sortez de l'ascenseur, direction à gauche. Toujours, vous avez vu,
Et Looker Room, c'est toujours pareil. Sauf que là, c'est pas ici. C'est. Faut que vous alliez là sur l'espèce de chantier là. Et il est là. Il est caché là. Hop. On va essayer de vendre le néon. Et ça se voit pas. Et je vais pas vendre mon malaranite ni mon. Non, non. J'ai 22 cellules. Le néon. Je comprends pas pourquoi il se vend pas. Alors. Je pense qu'il se vend même pas ici. Toi, j'en ai déjà vendu, hein, il me semble. Alors attendez, les amis, ce que je vais faire, je vais juste regarder quelque chose, 2 secondes, et on se reprend. Bon ben les amis, c'est pas sérieux, je sais pas pourquoi je suis ici. Si c'est sérieux le cas, il y a d'autres endroits, mais bon, voilà quoi. Pour quelqu'un qui est tout seul, c'est les endroits les moins dangereux. Là, je vous montre. Hein. Vous pouvez, tant que le scan n'est pas remis, hein. Donc c'était assez Real 4, sauf que c'est 50 maximum et tous les 20 minutes. Hein. Donc voilà quoi. Il y en avait vu que il y en avait eu 50. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Je vous mettrai le lien du. Alors, je vous le mettrai en lien. Et hop, mince. C'est quel hangar? Je vais juste regarder un truc. Est-ce qu'il me les a pas remis un sur l'autre? J'ai le titanium, le néon, il y a 4 conteneurs, de l'aranite là, un gros conteneur, je crois que c'est des 8, mais c'est eu. Ok, bon ben let's go. Les amis, je vais aller à la série 4 tranquille, vendre hein, tout ça. Je vais pas vous l'imposer. Hein. Donc ben voilà, sur ce, on va se laisser là-dessus, hein, dans mon magnifique Freelancer Max. L'intérieur est stylé, hein. Vous voyez que c'est vraiment 4 vraies places. Hein. Et 4 couchettes hein, d'ailleurs.
C'est dommage que ça fonctionne pas encore. Hein. Ça viendra, les amis. Alors sur ce, les amis, eh ben, n'oubliez pas les petits pouces bleus qui feront super plaisir pour le travail que je fais hein, sur ma petite chaîne. L'abonnement à la chaîne, si c'est pas déjà fait, avec la cloche ou pas, c'est comme vous désirez. Et surtout, partagez sur vos réseaux sociaux, les amis, mes vidéos. Alors, ça me fait connaître un peu plus. Et un max de pouces bleus, les amis, un max. Ça me fait monter ça fait le référencement de la vidéo sur YouTube, hein, les amis. Donc, je vous remercie par avance. Voilà. Alors, sur ce, ben voilà, c'était Chris. Et je vous dis à très très vite sur Star Citizen, les amis. Hein, dès qu'il y a une petite nouveauté, on va la faire. Mais bon, prochaine fois, on va faire un peu de selvage, du minage. On va faire du minage, je ne l'ai encore pas fait. Mais je voulais juste... j'attends que j'aurai une personne avec moi pour... on va changer mes sacs sur le prospecteur. Comme j'ai un mall, on va prendre des sacs du mall et puis on va les mettre sur le prospecteur. On fera gagner quelques CU, puis c'est quand même mieux pour éliminer quoi. On aime plus hein, à force. Allez, les amis, sur ce, je vous dis bye bye, à bientôt.